Antoine Talouc, actuel président de Vinceo, créé en 2006 et basé à Villeneuve-lès-Maguelone. Nous regroupons aujourd'hui les fournisseurs, une cinquantaine, de la filière vitivinicole. Les entreprises dont l'activité tourne autour de la viticulture et de la vinification, qui regroupent des fabricants, des fournisseurs, des prestataires de services et des conseils en œnologie, en conduite du vignoble. Nous sommes soutenus par la région et la directe. Vinceo joue deux rôles majeurs. Le premier est celui que l'on est en droit d'attendre d'une association professionnelle, la promotion des entreprises fournisseurs de biens et services de la filière vitivinicole. L'autre rôle est nettement plus original et lié aux spécificités culturelles de ce secteur, très vivant mais qui traverse une crise profonde. Nous voulons ainsi dynamiser les idées, favoriser les synergies et, pour ne rien vous cacher, infléchir le futur. Nous avons donc lancé plusieurs ateliers, dont un avec des experts reconnus de la prospective, méthode originale, innovante, très peu connue mais utilisée par les centres de recherche comme l'INRA et le CIRAD. Vinceo construit tous les scénarios possibles et agit pour que la filière retrouve son meilleur niveau. Donc plusieurs projets ont été élaborés par les membres de Vinceo ces dernières années et qui ont pu voir le jour grâce à la labellisation du pôle Calimed et à l'appui qu'ils ont pu nous apporter pour le financement de ces projets. Plus récemment, l'organisation des rencontres Calimed en 2009 ont permis l'émergence de nouveaux projets par les membres de Vinceo pour réduire l'impact des intrants. La collaboration entre Vinceo et Calimed se poursuit et nous lançons aujourd'hui ensemble une large étude qui permettrait de recenser le potentiel de la région en matière d'agrotique qui serait favorable aux entreprises de Vinceo mais aussi à toutes les entreprises de la filière vitivinicole.